continue Hollow Knight. Oh, on est à 99%. Mon dieu. Du coup, on avait eu un champi. Kata, t'es là? Alors que tu m'aides un peu. Ah, la touche sec qui marche pas, encore une fois. On avait eu 3 champis, j'avais noté ça là. Si je dis pas de conneries, regardez. Je suis quelqu'un d'intelligent. J'avais pris des notes. 1, 2 et 3. Et je vais arrêter d'utiliser le joystick parce que... Oh, pardon. Mon joystick déconne encore. Falaise hurlante. Falaise hurlante. Là où il y a le banc, d'accord. Bah en vrai, je sais pas pourquoi je suis reparti du coup. Hop. Hop. Pas trop loin. On est déjà allé trop loin, c'est pas grave. Si je dis pas de conneries, c'est genre là. Il y a un banc ici. Ça va, Muri? Oh, défi de ma santé mentale. C'est ta réunion en taille éclair, tu as appris de mon frère Oro, n'est-ce pas? Il est donc toujours en vie. J'ai toujours pas oublié ce qu'il me doit. Et je ne pourrai jamais. Oh, je suis désolé, je devrais pas t'ennuyer avec telle chose. Je suis heureux que tu sois mon disciple et que tu aies pu t'entraîner avec un autre maître aiguillon à devenir plus fort. Ah, Valo. Ça fait un moment que j'ai pas refait du Valo. Allo, Kaz, faudrait que j'y retourne. Ce que l'on appelle un héros dans son moment de gloire peut être appelé quelque chose de très différent après que les temps soient écoulés. Les crimes et les triomphes de nos prédécesseurs échoent tout autour de nous, n'est-ce pas? Les chaînes du destin qui nous tient ensemble, voulez-vous vraiment les briser? Pardonnez-moi. La suite! Bassin ancestral tout à gauche. Ok. C'est beau. Merci, Fever. Bassin ancestral. Ok. Comment ça va, Alex? Alex? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, Fever? Je sais pas si je t'avais répondu. Yo, Biscuit, comment tu vas? C'est station cachée. Hein. On a 99% les poteaux. 99%. Comme on dit en Belgique. Encore malade. Bah moi ça va, écoute.
Attends, c'est bassin ancestral, hein, c'est pas dans les abysses, on est d'accord. Vers la fleur. Ok. Je me rappelle de cet endroit-ci. Ou pas. Si, je me rappelle. C'est là où t'as un boss. Tout au bout, normalement. Faut surtout pas tomber, sinon on doit faire tout le tour et c'est chiant. Je me rappelle bien de cet endroit de Mour. Et là, normalement, on arrive sur un boss qui était mort. Oui, c'est le boss qui jette des bouboules. Oui, je l'entends. Chou? Eh bien, les choses de là-bas deviennent trop dangereuses. Peut-être qu'il est temps. Peut-être est-il temps de faire une pause. Revenez passer un peu de temps chasser ou récolter, même juste errer sans but. Il y en a plus pour très longtemps maintenant. Oh, au revoir. Oh, pardonnez-moi. Tu es tout excusé, monsieur Champignon. Petit Fenta. Direction Brume Canyon. Brume Canyon, station de l'arène. Oh, ça va et toi, Billy? Là, ça fait longtemps. Vers la gauche, en dessous d'une maison. De butte luxuriante? Bah écoute, ça va bien. On a fait un petit stream 24 heures là, il y a pas longtemps. On a encore les sub goals, je peux les afficher vite fait si tu veux. On a le chat en même temps, c'est magnifique. On a mangé des longs verres, on a mangé une sauce piquante à base de piment, des gros verres, des petits criquets, une autre sauce piquante à base de piment aussi. Mais il manque une sauce en fait. La de celle-là, c'était quoi déjà? C'était à base de habanero, des gros criquets. Là, on est bientôt à une sauce piquante à base de. Qu'est-ce que c'est déjà? Sauce piquante à base de. Ah! J'ai le nom. Ici, en fait. Carolina Reaper. Après, ce sera scorpion, puis cheveux. Les sub goals de l'infini du cul. Ouais, c'était cool. Pendant le 24 heures, on a eu pas mal de subs. On a décidé de continuer le sub-bâton. Enfin, le sub goal, pas le sub-ballon. Le sub-bâton. Brune Canyon. Ok, donc on doit monter. On a décidé de continuer le sub goal jusqu'à la fin du mois. Crois qu'il reste deux subs pour la sauce piquante. C'est quoi déjà? Je sais plus le nom déjà. J'ai une mémoire de poisson rouge. Carolina Reaper, voilà ça. Celle-là, j'ai pas atteint. Je sens qu'elle va arracher à l'entrée et à la sortie. La coupe, ouais, les cheveux ils ont poussé, la barbe elle a rétréci du coup. Ah oui, sans sub, c'est les cheveux qui seront coupés complètement, hein. Attention. La boule à Z. Yes. Je me rappelais plus de ce passage.
Ah, régène, hein. Oh, je l'entends, je l'entends. À gauche, ici. Bonjour, monsieur le champi. Non, je n'ai pas vu, je suis sur la... Je suis sûr qu'à la longue, vous vous souviendrez où vous l'avez laissé. Faites confiance à la lune ou à vous-même. Vous ayez confiance en elle. Ce que je veux dire, c'est que vous devriez faire confiance à quelque chose. Non, pas lui. Absolument pas. Oh, pardonnez-moi. Passage du roi. Passage du roi. La passe du roi vers la grosse chute. Quoi? C'est où ça, la passe du roi? Déjà, on va se TP. Dans la ville. Dartmouth? Ok. Donc Dartmouth. Heureusement que t'es là, Kata. J'aurais jamais fait ce truc. Enfin, j'aurais dû chercher sur internet. Enfin, non, je l'aurais jamais fait même. Parce que je suis pas genre à chercher sur internet les solutions. J'aime pas trop ça. Après, si les viewers ils me donnent 2-3 indices. Enfin, là, c'est plus des indices, mais bon. La grosse chute, c'est ça, hein. On est d'accord? Non. Ah oui, d'accord, je compris. Ouais, ouais, je compris. C'est vraiment au début, là où on tombe, ouais. Ah, passe du roi, d'accord, c'est là. Ah oui, c'est vrai, on a des HP ici. Et là, je l'entends. Non. Une créature si audacieuse, chargée d'une quête si importante. Vous faites bien de vous cacher de... Bien que vous voyez parfaitement... Vous soyez parfaitement équipé, naturellement équipé. Comprenez-moi bien, ce n'est pas avec des outils que vous triompherez, mais grâce à votre intelligence et votre vitesse et votre détermination. Oh, je vois alors que vous m'avez suivi. J'espère que toutes mes allées et venues ne vous ont pas trop distraite ou perturbée. Cependant, même un chemin sinueux peut encore avoir un sens, après tout. C'est au cours d'un voyage que nous trouvons notre raison d'être. Et une pause est plus qu'une simple pause. Ne diriez-vous pas que ces pauvres... Que ces poses peuvent être de toute beauté. Des plateaux transcendants, des terres sablonneuses lointaines, de vastes royaumes anciens. La vôtre n'était pas la première, ni sera la dernière. Mais cela n'en est pas moins une chose unique et spéciale. Avec mes obligations maintenant terminées, il est temps pour moi de partir avec grâce. À la prochaine, mon ami. C'est une longue et heureuse route que nous vivons. What? What, what? Vers l'infini et au-delà. Je traduis ce qu'il a dit. Hein. Jusqu'à ce que de nouveau nos chemins se croisent. C'était tout? J'ai même pas eu un succès? C'est triste.
Bon, c'était sympa. Ah, j'aurais dû tuer Hollow Knight. Bah, je l'ai tué Hollow Knight une fois. Mais faut l'avoir tué la deuxième fois, c'est ça? Ou la troisième? Ah, d'accord. Ça marche, Kata. Faudra que je revienne ou Faudra que je le refasse au complet? Oh là 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 là. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se taper Zot? En tout bien tout honneur, hein, bien entendu. De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait un HP de plus, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 2 HP de plus. Eh, c'est pas dégueulasse, hein. Le truc pour taper plus vite. C'est pas ça. C'est ça. Ah oui, non, ça va pas du coup. Faut que j'enlève ça. À la place, un sort qui coûterait 2. Ça pue la merde. Ça, c'est quoi déjà? Ça coûte 3 de toute manière, on s'en fout. Bon, ça, c'est sympa. On va se mettre ça, je pense. On va se taper Zot. Enfin, essayer au moins. On fait plus de dégâts, donc il y a moyen qu'on le tue là. Merde. On commence mal. Même pas passer la P1. Merde, je voulais pas monter. Il m'a sauté dessus direct, je pouvais rien faire. Ah,
Ouais, merde, hein. En vrai, je crois que je peux régénérer quand il fait ses grosses bouboules. On va faire ça, au lieu de lui envoyer des rayons. Ce sera peut-être plus intelligent. Là, je suis deg, le sort de défense, je croyais qu'il me ferait enlever un cœur au lieu de deux cœurs sur les gros boss. Mais finalement, non. Oh, vraiment? Je veux pas perdre la vie direct dès le début comme ça. Waouh! Waouh! Oh la nulle! La nullité! Je voulais pas remonter, j'en ai marre. Elle me rajoute 2 points de vie. On va être direct les bonnes ambiances. Merde, je suis trop con. Dommage. Je suis deg, mais en vrai, il y a moyen. Je sais plus à combien de phases de Zot. Je crois qu'il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Merde. Mais à quel moment il spawn là? Excusez-moi, je suis énervé. Mais... Oh, le drift. J'ai le Grim en plus à battre. Ok. Quand il jette ses merdes, j'ai le temps de régénérer un cœur. Je viens de réfléchir à un truc. Ouais, non. Là, on est bien.
Merde. Oh, dommage, dommage. On va faire autrement. J'ai réfléchi à un sort qui en coûtait pas si cher. Je sais plus quoi. Coûte 2 lui. Ouais, parfait. On va y aller comme ça. Trop con! Ok, faut que je me calme, que je me concentre. Ça va aller. Il est dur, Zod, quand même. Hein. Toujours pas. 99% t'as qui? 99%. Ça arrive, hein, Dada. On y est bientôt. Ah, c'est 125% la fin du jeu. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Merde, mon dash. Let's go. 112, j'ai dit combien? 122. Ah, autant pour moi. Voilà, pour le coup, on va juste sauvegarder pour Regen. Double. Espera, espera.
Je pense que le fait d'avoir deux cœurs en plus, ça aide un peu. Bah là on a tout, non? Il est pas au max là? J'ai pas eu l'impression qu'il y ait grand chose qui se soit rajouté. Oh putain, je joue comme un caca! Oh, je suis quasiment sûr qu'on l'a fini là. Salut Biscotte, comment ça va? Ça va et toi, Herobrine? Bah écoute, moi ça va bien, Bibi. Ça va bien, on fait du Hollow Knight. Tu connais le jeu un peu ou pas? Incroyable. Soyez comme Biscotte, ayez un petit train à côté de votre pseudo, c'est incroyable d'avoir ça. L'enfant. Qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il me parle d'enfant? Ah oui, l'enfant. Ah franchement, il est excellent le jeu. Je viens de comprendre pourquoi il me disait l'enfant, le con. C'est combien l'enfant? Il coûte combien? 2, c'est parfait. Un des meilleurs Metroidvania. Franchement. Hollow Knight, un des meilleurs Metroidvania. Tiens d'ailleurs, Bibi, je sais pas si t'es sur YouTube, mais n'hésite pas à aller me suivre sur YouTube, j'ai mis tous les rediffs. Si jamais à un moment tu bloques sur Hollow Knight, au moins t'as tout ce qu'il faut. Bah, il est dur, oui et non, dans la limite où... Il y a une difficulté progressive, donc qui est pas si dur au final. Oh, je l'ai loupé. Oh, vas-y. Wouhou! Wouhou! Ok. Je l'ai loupé. Oh putain! C'est rare qu'il le fasse le double. Oh. On va y arriver, hein? On va y arriver. Ah, c'est normal, au début c'est un peu difficile quand t'as pas bien le jeu en main. Pourquoi j'ai tiré vers le haut? Oh là, on l'a. Merde. Ah, pas con, on peut faire les derniers charmes après. Enfin, une dernière tentative du coup. Vraiment? Oh, il m'a touché là! Bon, on va aller chercher les charmes. Du coup, il me manque ces trois là, Bibi. Kata.
1, 2 et 3. Si t'as une petite idée pour m'aider. Le marchand. Lequel? Il y en a plein des marchands. De gauche. Dans la ville. Ah d'accord. Il n'y a plus personne. Oh! Comment ça? C'est nouveau ça? Ah ouais, elle est très très grande. Alors, un autre prêt à rejoindre notre groupe. J'ai un cadeau pour toi, guerrier. En tant que marchand, je dois bien admettre que cela est très difficile pour moi de m'en séparer gratuitement. Cependant, en tant que maître d'aiguillon, je peux reconnaître ton talent. Tu as maîtrisé les arts de mes autres disciples. Ce faisant, la tradition décrète que je peux toi aussi. Que tu peux toi aussi porter la marque du maître. Porte fièrement maître d'aiguillon, car tu ne seras jamais le dernier à le recevoir. Qu'est-ce que c'est? Augmente la maîtrise de l'art de l'aiguillon, permet de canaliser et de libérer leur puissance plus rapidement. Ah, ça c'est bien aussi. D'accord. Merci monsieur. Il est temps pour toi de reprendre ton chemin, maître d'aiguillon. Car je n'ai plus rien à t'offrir, gratuitement du moins. Je serai à vous dans un petit instant. Je suis avide de prendre vos géants en échange de précieuses marchandises. Attends, prendre mes géants en échange de pré... Ah oui, non, il veut m'acheter des trucs. Ah, attends, il est remonté. Ok. Ah génial, il en manque plus que 3. Les 3 zigotos qui te donnent les compétences d'épée. Zigoto, j'adore ce mot. Ah la carte elle est immense, Bibi. Elle est immense. Mais tu la découvres au fur et à mesure, donc ça va en vrai. Ça va. Quand tu la vois comme ça, tu te dis c'est immense et une fois que t'as... Ni profond. Ok. Moi je sais comment je vais y aller. Non, pas par là. Oh, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Ouais, ce soir, mais après Warcraft, normalement. La grosse chute, c'est ici, je suppose. Ah non, la grosse chute. La grosse chute, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça, plutôt. Ouais, je sais plus. Non, c'est là. Là où tu tombes dans le lac. Non, à gauche. Ok. Donc par là. Ok, ok. Je me vois pas sur la map. C'est normal, oui. Je vais peut-être remettre ma map parce que sinon je vais me perdre comme l'autre coup. Ça va être chiant du coup. Oh, le banc il est cassé ici. Oh, chiant du cul. Bon, je refais un aller-retour vite fait autre part pour avoir un banc. Remettre le sort qui permet de me repérer, bien entendu. Sinon, c'est de la merde. On va enlever le grim et puis on va remettre ça. Ça. On enlève ça. On se remet ça. Le PNJ qui me bouffe. Je me rappelle plus de ça.
Ah, là où il y a le PNJ qui me mange? C'est de ce côté-là? Ah, dans ce cas-là, c'est pas là. Celui qui essaye de me manger, c'est en bas. C'est juste là, Kata, le PNJ qui essaye de me manger. Tu parles de lui, toi? Ok, donc c'est là où tu m'as dit. Très jeune. Merde, j'avais pas vu les. Je suis en train de monter beaucoup trop haut là, c'est pas par là. J'ai chu. Pourquoi il enlève deux cœurs des fois lui? Ça rend fou ça. Moi je suis passé. Ok, on est en haut. Ok, c'est sûr que c'est pas par là. Je suis là, j'y suis presque là. La salle en bas? Oui, elle a arrondi. Attends, t'es en train de me dire que là, je devais aller en fait là? Oh. Oh, c'est pas grave, je vais aller voir ici, je me rappelle plus. À quoi il sert lui d'ailleurs? Chelou hein, on est d'accord. On va en redescendre du coup. C'est marrant comment ça va plus vite à descendre qu'à monter ici hein. Hop, je suis déjà en bas. Ah, c'est fort possible. C'est fort possible, Kata.
En plein dans l'arrondi là. Ah ouais, effectivement. Héra. D'accord. Oh, ça doit être ça. Le chant du tisserand, excellent. Et si je suis pas allé, j'ai envie d'aller voir quand même. Ok. Il faut faire un saut à mon avis, à un moment. Genre... Voilà comme ça. Non. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant, je le sens. Même plus chiant là à ce niveau-là. Non, non plus, toujours pas, hein. Là c'est bon, voilà. Un 9 France. Tout ça pour ça ? Fous-toi de ma gueule le jeu ! What the fuck ? Mon cristal. Ouais, bah tu sais quoi, hop. On va y aller comme ça, hein. Je vais passer par Dirtmouth. L'ascenseur où tu descends. Je vais déjà aller de ce côté-là, on verra. Hop, on régène. Ok, l'ascenseur, c'est de quel côté? Faut descendre? Ok. Ça, je sais faire. C'est marrant qu'il y ait que ma petite bébête que j'avais qui... Je l'avais pas vue, lui. Ok. Je voyais pas du tout où tu me parlais, mais j'ai vu un truc qui me paraissait bizarre. Du coup, j'ai tenté de le péter. Oh, vraiment. Il faudrait que je commence à faire des efforts là. Vraiment. Quoi?
On va mourir là-dessus. Quand même. Non, il me reste plus qu'un PV, non. J'ai le seum. Bon bah on y retourne hein. Mais vraiment. Pouah. Allez, viens mon âme. Quoi? Quelle arnaque du cul, j'avais pas vu ça comme ça. Pas si dur au final. Oh la canalisation intense. Oh ça a l'air pas mal ça. C'était pas le dernier charme? Si c'était le dernier charme, j'ai même pas dû au fait. Bah merci le jeu. Bravo. Mais du coup là je peux retourner voir la grosse madame. Si je dis pas de bêtises. Elle se trouve où déjà? La grosse madame elle est... Elle est où? Quelque part genre... jour... Route oubliée. Ah c'est là. Ah ouais c'est là. Bon, en vrai go à pied hein, je pense. Ça se fait. C'est à côté. Ah, y a un mur qui nous sépare. Ça sert à rien ce mur. Un piège à con ça. Oh, j'ai pris le chemin le plus chiant. Bon, c'est pas grave.
permis de débloquer ça au moins. Oh, il y avait un chemin sans payer. Et dommage. Ouais, par là. Oh, t'es très gêne, hein. Bon, on descend, hein, toujours. Encore. Du coup, c'est par là. Ouais, c'est ça. Affreux. Je t'offre une bénédiction spéciale, tu l'as bien mérité. Voulez-vous acheter cet objet? Oui. Mon cher ami, je t'offre ma bénédiction avec les faveurs excessives dont tu m'as comblé et cette beauté surprenante qui est la tienne. Tu n'as plus... Tu l'as plus que mérité. Mon Dieu. C'est affreux. Reçu bénédiction de Salubra, une faveur accordée par Salubra, une amie des charmes, amour et beauté suivent ceux qui sont bénis. Oui, j'espère que ma bénédiction t'apportera tout ce que tu désires. Ne t'en fais pas trop, rare gentille créature. Bravo, tu as acheté tous mes précieux. Charme. Et tu as même réussi à amasser une quantité impressionnante et colorée. Tu es un insecte bien plus attrayant, vêtu de toutes ces merveilleuses choses étincelantes. Même si je n'ai plus rien à t'offrir, tu dois revenir me rendre visite de temps en temps. Un personnage si fringant et fréquentant ma boutique, tout le village sera mort de jalousie. Bravo, blabla, et la même chose. Ok. Oh, c'est bien ça. C'est incroyablement bien. Ça fait plaisir. Ça régène les points d'âme. Oh, y'a... Excusez-moi, je m'étire un peu. Merci YouTube d'avoir regardé cette VOD. Je vous dis rendez-vous à la prochaine VOD. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, tout ça, et blablabla. Ciao YouTube. Des bisous et de tendresse.